Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoici, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on est rentré. Donc du coup, on a passé de très bonnes vacances hein, avec mes parents. C'était vraiment super chouette. Et bah, écoutez, on rentre avec le mauvais temps. Mais bon, hein, c'est comme ça. Ça fait du bien. Beaucoup de pluie là aujourd'hui, il n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça va faire du bien aux plantes, ça va faire du bien à la terre. Donc c'est pas plus mal, hein? Parce qu'avec les chaleurs qu'on a eues, je vous dis pas. Et donc du coup, oui, désolée, je n'ai pas pu vous faire la vidéo. Il m'énerve ce rideau. Tu m'agaces toi. Voilà. Attendez, c'est lequel qui me fait caguer. Ah, voilà, je vais le tenir comme ça. Donc du coup, oui, j'ai pas pu vous faire la vidéo avant parce que ben. Le jour où j'ai voulu vous la faire, c'était bah, la veille de partir, si je ne me trompe pas. Je pensais que j'aurais le temps et en fait, bah, vu qu'il fallait que je m'occupe de tous les poilus, tous les plumeaux, les bestioles à écailles, les cocottes, du coup, vu qu'il nous annonçait ici ce week-end très chaud, bon, ce qui a été le cas, hein. J'ai noyé le jardin, enfin voilà, j'ai tout arrosé, et puis je voulais que les animaux soient bien avant que je parte. Donc du coup, c'est ma meilleure amie qui est venue s'occuper d'eux. Heureusement d'ailleurs, sinon je pars, je suis inquiète, et puis on ne peut pas les laisser 4 jours tout seuls, hein, c'est pas possible. Après nous, bon, c'est un choix, on est habitué, hein, mais de ne pas partir longtemps, mais même 4 jours, on ne peut pas, surtout avec une chaleur comme on a eu. Samedi, dimanche, il faut changer l'eau des oiseaux tous les jours, il faut nettoyer les litières, remettre à manger, enfin voilà, c'est tout un truc. Mais là, mon chat, qu'est-ce qu'il fait, les chats? Oui, t'as raison, il est dégoûté parce qu'il a essayé de sortir ce matin, mais il pleuvait des torrents. Il est vite rentré, croyez-moi, il était trempé, mais trempé comme une souche. Mais c'est pas grave, je vais dans mon jardin, je veux mon jardin. Mais il est vite rentré. Et voilà, mais du coup j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, que vous profitez de cet été, enfin voilà, que tout va bien pour vous. Donc du coup aujourd'hui, petite vidéo détente, hein, vraiment une petite vidéo tranquille. Je voulais, alors au début je voulais vous montrer mon coin des cocottes qui est à l'entrée. Et puis ensuite je me suis dit, ben, pourquoi pas montrer mon coin, on va dire, préféré. Oui, je fais des préférences, oui, je sais. Dans les cocottes aussi. Vous inquiétez pas, vous aussi, les filles, je vous aime, les filles. Et bah, là, vous d'ailleurs, bah, c'est vrai que vous aviez jamais vu ce coin. Là, c'est bah, la chambre des cocottes. Hein. Comme vous voyez, je vais essayer de vous tourner un peu. Voilà. 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 Ouh. Bon, ça je vous montrerai en temps et en heure pendant le plan de tour. Oh, qui va vite arriver, je pense, hein, parce que bon, maintenant on est quand même bien installé, tout ça. Donc, c'est juste que ben, là, on va de famille en famille. Donc, là, on repart chez mes beaux-parents, leur ramener la voiture. C'est l'anniversaire de Joss, donc Monsieur Cocotte, dimanche. C'était enfin l'anniversaire de son papa aussi. Il y a quelques jours, donc du coup, voilà. On fait vraiment, c'est un peu les vacances famille, c'est super quoi. Ça fait du bien, il faut en profiter. Comme je dis, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain, donc il faut profiter des siens le plus possible. Et du coup, revenons-en à nos moutons, à nos cocottes. Donc je voulais vous montrer l'entrée, et puis en fait, je me suis dit, je vais vous montrer mon coin que j'adore, vraiment. Attendez, parce que du coup, j'ai tout. Et je vais vous montrer le coin dont je vous parle en fait depuis. Oh, je vous ai parlé quelques fois du coin des cocottes qui est au niveau de la baie vitrée dans le salon. C'est vraiment un coin que j'adore, que j'ai fini, que j'ai tenté de bien, comment dire, de bien décorer. Enfin voilà. Donc du coup, j'avais envie de vous montrer ce petit coin. C'était vraiment la petite vidéo détente pour vous montrer un des coins de la maison. Où il y a les cocottes. Voilà, parce que bien sûr, bah, il y en a là, il y en a là-bas, il y en a à l'entrée, il y en a partout. Il y en a partout. Mon Dieu. Non, on ne se refait pas, hein. De toute façon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, les amis. Hein. Quand on est passionné, vous le savez, hein.
On essaye, hein, moi j'essaye hein, de me. Tout doux bijoux souple sur les pattes arrière, mais non, non, c'est pas possible en fait. Oh, mes petits moineaux. Oula. Ah bah vous les voyez pas. J'ai les petits moineaux là qui sont en train de se coller à la fenêtre. Et oui, parce que aussi, ils ont, vu que je nourris tout le quartier, j'ai Hector, monsieur le hérisson, enfin, qui a ramené ses potes l'autre fois. Donc ils étaient quatre dans le jardin, quatre hérissons. Et vu que je leur mets des croquettes pour chat, bon après j'achète du bas de gamme parce que au début je leur donnais, vous savez, les croquettes de Décibel et Crapette, mais au vu du prix des croquettes, j'ai dit bah là les gars, non, ça va. Si vous me devez me ramener toute la famille, on va, hein, du moment que vous avez à manger et à boire aussi surtout. Et je nourris aussi les oiseaux. J'ai les pies, j'ai le rapace aussi. De temps en temps, je mets un morceau de jambon. L'autre fois, j'avais un morceau de jambon qui était périmé. Ah, il n'y en a pas eu pour longtemps. Soit c'est les pies qui le mangent, soit c'est le rapace qui pique et qui vient, voilà, qui vient chercher le morceau que je lui mets sur la haie devant la baie vitrée. Je vous assure que c'est vrai. Il faudrait que je vous le filme une fois, mais ils vont tellement vite que voilà. Et puis, j'ai les petits moineaux. Je leur mets des petits biscuits, des graines pour oiseaux d'extérieur. Donc, dès qu'on n'est pas là, bah, en fait, ils volent dans tous les sens, ils viennent. Enfin, c'est super, quoi, la vie du jardin. Voilà, les amis. Bon, bah, écoutez, je vais arrêter de faire ma pipelette. Et puis, bah, on va aller voir ensemble, donc, du coup, ce fameux coin que j'adore. Et il me tarde de vous montrer. Je vais vous montrer aussi quelque chose que ma maman m'a donné, là. Je suis trop fan. Et vous allez voir que les amoureux des chats, vous allez être trop fan aussi. Déjà, la dernière fois que j'y étais, je l'avais guigné. Cet objet, mais alors vraiment, hein, j'avais les yeux, vous savez, du loup de Tex Avery. Et puis là, du coup, elle me l'a donné. Et voilà. Oh, j'étais trop contente. J'étais là. Oh. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, les amis. Donc, on se retrouve dans quelques minutes, enfin, de suite même, pour le petit tour de ce magnifique coin cocotte. À tout de suite. Alors, voilà déjà, les amis, ce que j'ai eu par. Ma maman, vous avez vu comme elle est belle. Ah, je vais essayer de ne pas faire la tremblote. C'est une vieille valise ancienne, pardon. Ah, c'est une jeune femme qui les fait. Et en fait, elle récupère les vieilles publicités, les vieux magazines, et en fait, elle choisit un thème. Et c'est un peu comme, vous savez, quand on. Ah mince. Quand on prend les serviettes en papier avec une colle, en fait, on les dédouble et on les met sur les supports comme ça, le bois, voilà, une valise et tout. Ben, c'est un peu ça. Donc voilà, je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment trop, trop, trop belle. Avec les chats, vous voyez, dessus, elle est vraiment. Elle est vintage, hein, celle-là, hein, je vous le dis. Et alors, moi qui adore les vieux objets, les vieux. Tout ce qui est ancien, mais original, ben voilà. Et ça, c'est l'envers. Enfin, c'est l'autre côté. Voilà, du coup, ça c'était pour vous montrer. Donc pour l'instant, elle est à côté de mon gramophone. Donc il faut que je vois où je vais la mettre parce qu'elle est quand même grande. Et voilà. Donc voilà le coin que j'adore de mes cocottes. Donc on va aller s'approcher avec Monsieur Décibel. Donc là, du coup. Qu'est-ce que t'as? Non, il pleut le chat. Tu vas te mouiller. Ah, il cause, hein, je vous le dis, moi. Alors, là, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai cherché, j'ai oublié de rechercher le nom. Je vous le mettrai en bas. Je l'adore, en plus, c'est un épiphyllum, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, celui-là, c'est le Lepismium bolivianum. Regardez comme il est beau, pépère. Que j'ai eu chez ma deuxième maison. Voilà, qui se plaît beaucoup là, accroché, qui fait plein de nouvelles pousses partout. Donc vraiment, je ne regrette pas parce qu'il est vraiment hyper joli, quoi. C'est quand même un grand pépère, hein. Vous voyez jusqu'où ça va. Et ensuite, alors là, vous avez mon Anthurium vecchii. Bon, lui, il est un petit peu long quand même à pousser, hein, parce que depuis que je l'ai, il m'a fait sept nouvelles feuilles. Mais voilà, c'est pas un pressé de la vie. Hein. Donc je le laisse tranquille parce que, bah voilà, de toute façon, pas le choix. Hein, mais c'est mon beau coco, mon beau que je voulais depuis longtemps et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc mais après, c'est pas incompliqué, mais par contre, il pousse à son rythme, quoi. Bon, la grosse mémère que vous connaissez, la Monstera
Marmorata Aurea. Là derrière, alors je l'ai rempoté hier parce que en fait en pot en terre cuite ça n'allait pas. Vous voyez, il avait du mal à dérouler ses feuilles, pauvre coco. C'est, il l'appelle le syngonium brocante. Alors le nom après vraiment scientifique, je ne sais pas. J'ai gardé ce nom-là, je trouvais ça original, je trouvais ça sympa. Mais là, je pense qu'il va commencer à redérouler ses feuilles parce qu'il aura beaucoup plus d'humidité avec un pot en plastique. C'était pas possible, quoi. Alors là, celui que vous connaissez aussi, c'est mon Raphidophora Tetrasperma variegata. Alors, depuis que je l'ai, alors je l'ai pas beaucoup, enfin il n'a pas énormément poussé. Pourquoi? Parce que j'ai fait des boutures à copain Thibault et à copain Nathaniel. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Oh nom de Dieu. Et bah du coup, il a repoussé là. Regardez-moi ça, les nouvelles feuilles qu'il m'a faites. C'est vraiment. Et pourtant, c'est un grade B à la base. Donc vous voyez, j'avais coupé là. Quand je vous dis que même les grades B, ils peuvent vraiment faire de belles variégations. Oh mais merde, t'as les feuilles sales. Hein. Oh là là, quelle honte. Et vraiment, là, il a bien repris sa croissance. Donc il était bien plus grand, mais. C'est pas grave, ça m'a fait plaisir de donner les boutures aux copains. Donc voilà, ça y est, il est reparti. Puis du coup, il m'a fait vraiment des belles feuilles. Là, vous avez ma grosse mémère maintenant de taille constellation que j'ai mis en hydroponie passive. Je vous referai une, je vais vous faire une vidéo là-dessus, mais en étant beaucoup plus assidue. Je me suis renseignée, j'ai acheté les engrais qu'il fallait, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Et puis c'est vrai que bah, pour certaines plantes que j'avais, dont une que je vais vous montrer là dans pas longtemps, ça a super bien marché. Et faut juste faire attention bah, pendant l'hiver, mais voilà quoi. C'est vraiment pour l'instant, j'ai pas de dégâts ou de perte de racines ou de pourriture ou quoi. Donc à voir. Et puis ça c'est, alors ça c'est les dernières. J'ai repris un Jacqueline, un Alocasia Jacqueline. Qui était bah, qui est une bouture, mais alors regardez-moi ça, il y a deux pieds. Là derrière, il y a le petit bulbi. Donc chez ma deuxième maison, le Hoya. Alors j'ai regardé le nom aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus. Donc je vous le mettrai en dessous, hein, pour ceux et celles qui sont comme moi, qui ne connaissent pas forcément trop le nom des Hoya. Et puis ça aussi, le cache-pot avec le chat, je l'ai acheté chez Jardiland en même temps. Je l'ai trouvé trop beau. Il y avait soit rouge, soit vert, et ben du coup j'ai dit allez. J'ai dit, je te prends en rouge, ça ira avec les couleurs qu'on a à la maison. Et vraiment, j'ai craqué dessus. Je crois qu'il était à même pas, le cache-pot, il était même pas à 6 euros. Et ben, monsieur Alocasia, heureusement, quand on est rentré, ben, je l'avais pas rempoté. Donc, je l'ai rempoté, c'était quand hier. Et en fait, il avait toutes les feuilles qui étaient tombées, enfin, qui penchaient. Ben oui, ça a tellement séché vite que ben, je me suis pas méfiée. Et là, alors, le Ripsalis, ça c'est un cadeau. Je vous mettrai le nom en dessous aussi parce que c'est un nom imprononçable. Donc là, je vous avouerai que voilà. Hein. Je préfère vous mettre les noms en dessous. Au moins, c'est bien, c'est sûr, c'est tranquille. Parce que comme vous savez, moi et les noms, ça fait deux. Et alors, cette cocotte, c'est l'eau. Attendez. Oh merde, c'est pas un aglaonema, c'est un. Nos, je sais plus quoi, militaires, là, comme ils appellent. Pareil, je vous mettrai le nom en dessous. Hein. Voilà. Parce que franchement, non, mais c'est une honte. Ah, bravo la plante addict, hein, je vous le dis, moi. Et ben, ça, c'est une cocotte que j'ai sauvée. Donc là, elle m'a refait toutes ces feuilles-là. Enfin, toutes ces feuilles. C'est vrai que toutes les anciennes feuilles, je les ai coupées parce que ben, elles étaient vraiment sèches. Donc là, vraiment, elle est bien repartie. Je suis bien contente. Là, vous avez bon, mon Waraucanum que vous connaissez, qui me fait une nouvelle feuille là. Oh chérie. Donc, il me tarde de voir bah, si elle va être aussi grande que celle-là, voire plus, hein, ça serait bien. Et puis alors là, vous avez ma fougère de Boston panachée, je crois qu'il l'appelle. C'est la. Ah merde. La fougère de Boston Tigra, il me semble, que j'ai eue chez ma deuxième maison aussi. Et j'adore parce que vraiment, elle a des, vous voyez, des feuilles bah, vraiment tigrées, quoi. Elle fait vraiment des dessins incroyables.
Ou alors elles sont toutes un peu jaunes comme ça. Alors c'est celui-là. Ça c'est alors mon philodendron Joe Epi. Ça fait un moment que je l'ai. Et puis en fait, qu'importe le substrat que je lui mettais, il ne voulait pas pousser. J'ai dit mon gars, j'ai dit, il va falloir trouver une solution. Donc il va falloir peut-être un peu se secouer les racines, hein, parce que ça fait au moins un an que je l'ai. Un an sans feuilles. Donc c'est à partir de là que aussi j'ai commencé à passer des cocottes en hydroponie. Et puis regardez. Voilà, là on a la pousse. Ça y est. Et en plus, il refait son système racinaire, franchement du feu de Dieu. Donc je suis vraiment très très contente. Donc voici monsieur. En plus, j'adore la forme de ses feuilles. Et juste à côté, vous avez mon Fazia, que j'adore. Alors qui pourrait être dehors, mais bah écoutez, il se plaît beaucoup en intérieur. Donc j'ai dit, bah écoute mon coco, tu vas rester à la maison. J'ai pas envie de t'adapter au soleil, fin de. Oui. Pour l'instant, dans tous les cas, ça lui aurait quand même, je pense même à l'ombre, j'aurais peur qu'il prenne un coup de chaud. Et du coup, ben, il reste avec moi à la maison. Et puis, c'est tout. Voilà. Et là, vous avez ben, bien sûr mon pépère, mon philodendron Dark Form que vous connaissez, que j'ai rempoté aussi hier, parce que là, il est en train de. Au niveau des racines, c'était en train de coloniser le pot. Et là, ben, vous verrez peut-être pas là. Il y a une nouvelle pousse, nouvelle feuille. Enfin, il y a des nouvelles feuilles quand même un peu partout. Il faut que je le vaporise un peu parce que ça aide au moins les nouvelles feuilles. Alors là, vous avez ma Stanleyana, regardez, qui est hyper bien repartie, mes mères. Et pourtant, quand on est arrivé ici, je l'avais laissée dehors. Elle avait plus de feuilles. Vous vous rappelez comme elle était grosse. Elle avait plus de feuilles, plus rien. Et puis là, ben, ça y est, quoi. Elle est vraiment repartie. Bah de plus belle. Ah, je me casse la gueule. Vous voyez? Et vraiment, je suis hyper contente parce que je pensais que j'allais la perdre. Mais si il y a encore des racines, si les tiges voilà, sont bien fermes, sont en vie, bah écoutez, il vaut peut-être mieux couper à ras et puis après ça repart. Hein. Ça repart vraiment bien, quoi. Donc vraiment, je suis très contente. Ça m'aurait embêté de la perdre. Là, vous avez l'Anthurium balao. Un homme que vous vous rappelez, je l'avais eu chez Plants. Ah bon, alors lui aussi, bon, lui par contre, si vous voulez un anthurium qui est facile, vous voyez, mais alors qu'est-ce que je l'aime celui-là? J'ai au moins une feuille par mois, il est incroyable. Autant il y a des anthuriums qui sont un petit peu, comment dire, pas capricieux, mais voilà, qui prennent vraiment leur temps. Autant lui, vraiment, coucou. Autant lui, vraiment, il se plaît beaucoup là. Et ben, par contre, il va peut-être falloir que je lui mette un tuteur, un vrai tuteur, parce que là, ben, vous voyez la taille de la tige. Hein. Alors, on a quoi? Là, vous avez la Monstera Burl Max Flame, qui est là, une petite bouture, kikinette, qui m'a fait cette nouvelle feuille ici. Voilà, bon, elle le voit bien, elle fait sa vie aussi, elle prend son temps. Alors, mon Alocasia Splatch, enfin, c'est le Macrorhiza Splatch. Lui, il était en. Alors, tout l'hiver dernier, jusqu'à l'hiver dernier, il était. Comment dire, en. Bon, il était beau, quoi. Il avait plusieurs feuilles, tout ça, tout allait bien. Et là, je pense qu'il va rentrer en dormance parce que il m'a refait cette feuille, mais bon. Ah, c'est pas la fête à Paulette, quoi. Donc. En même temps, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'a pas été en repos, donc ça m'inquiète pas plus que ça, parce que je l'ai rempoté il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Ouais, peut-être pas quand même, mais les racines étaient belles et tout, donc vraiment je m'inquiète pas. Mais bon, vous voyez, c'est un petit pied en plus. Hein. Là, vous avez la Monstera Aurea, Dansonii Aurea, pareil, qui est en hydro. Là, voilà. Elle aussi, hein, depuis que je l'ai, elle a toujours fait cette taille, mes mères. Et impossible de la garder, voilà, toutes les feuilles nécrosées et tout. Et bah, en fait, elle se plaît que comme ça. Donc j'ai dit, bah, écoute, mes mères, il n'y a pas de souci, tu vas rester comme ça. Et ça a l'air de lui convenir. C'est pareil pour cet anthurium, le. Alors, Vitarifolium, si je ne me trompe pas. Lui, pareil, hein, tout ça, c'est en fait avant que je le mette en hydro.
Et là, il m'a refait alors cette petite feuille, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que voilà, hein, ça reprend. Impossible de lui trouver un substrat qui lui convienne, qui lui aille en fait. N'importe quel substrat, ça n'allait pas. Ça, j'étais là, bon, bah, écoute, Pepper, on va essayer. Et puis, bah, écoutez, là, ça a l'air d'aller. Il reprend vie quand même, donc je suis quand même très contente. Et alors là, vous avez alors l'Alocasia Watsoniana. Mon que copain Thibault m'avait offert pour Noël dernier. Lui, il était en repos jusqu'à présent. Et puis, vous voyez, il m'a ressorti, il m'a fait cette magnifique feuille. Et un bulbier aussi qui a percé. Alors, je suis fan. Je suis fan de cet Alocasia. Ça, c'est l'Anthurium Régal que j'avais eu chez Botanique Labège. Je l'ai trouvé vraiment trop beau. Vous voyez, il m'a fait cette nouvelle feuille maison. Et vraiment, je le trouve très beau. Et le dernier en date, c'est celui-là, c'est l'Anthurium. Alors lui, c'est le Vita Rifolium. Et lui, le dernier en date, c'est celui-là, l'Anthurium Vilnaurum, que je trouve vraiment très très joli. Il a vraiment des feuilles, bah pareil, particulières, quoi. Vraiment. J'aurais pas cru que comment dire, que j'aimerais les Anthuriums comme ça. Enfin, je les aimais bien, hein. Mais on les voit tellement partout que ça me, c'est pas que ça me sortait par les yeux, mais voilà, ça me, bon, pas plus quoi. Et en fait, ben malheureusement, je crois que je suis, enfin c'est pas que j'ai chopé le virus, hein, mais quand même, je les aime bien. Donc voilà les amis, le coin que je marche pas sur ta queue, le chat, mon coin plante, vraiment que j'adore au niveau du salon. Et voilà les amis, bon bah du coup on a fait le petit tour, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment une petite vidéo détente, hein. C'était vraiment pour vous faire un coucou, vous montrer comment ça, vous montrer un petit peu, un petit bout, vraiment un petit bout de la maison et de mes cocottes. Bientôt il y aura le plan de tour. Par contre, la prochaine vidéo, j'avais envie de faire une vidéo. Alors, je préfère vous prévenir maintenant pour ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité ou, pardon, à qui ça n'intéresse absolument pas. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les animaux totems. En ce moment, c'est vrai que je m'intéresse, enfin, en ce moment, depuis plusieurs temps, je m'intéresse beaucoup à ça, à ce sujet-là et savoir aussi quel était le mien. Enfin, voilà, et puis de fil en aiguille, ben. On lit des choses, on apprend et je trouvais ça hyper sympa de vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, donc je pense que ça sera la prochaine vidéo, on va dire, bon, qui ne sera pas portée sur les plantes. Mais bon, comme je vous avais dit, il y aura aussi de temps en temps des petites vidéos de ce type-là. En attendant tout ça, les amis, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et bah on se dit à la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et on se dit à plus tard. Bisous les amis.